grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui nous mène par le bout du nez pour aller l'applaudir au Théâtre Libre, François Berléand. Une grosse tête qui a doublé pas mal de monde au cinéma et aussi à la radio sur les bonnes réponses, Jean Benguigui. Ouais. Une grosse tête qui prend tellement de plaisir dans l'émission qu'elle crie « Oh oui, oh oui, oh oui » à chaque question, Caroline Diamant. Bonjour. Oui. Une grosse tête qui veut bien protéger les bêtes mais pas défendre les imbéciles, Laurent Buffy. Bravo. Une grosse tête qu'on n'a pas besoin de menacer pour le faire chanter, Christophe Beaugrand. Et une grosse tête que son mari n'a pas besoin de remonter pour qu'elle donne l'or, Julie Leclerc. C'est sympa de faire bosser le Père Noël parce que ça va lui faire des heures. Ah, vous parlez de François Berléand. C'est pas le Père Noël, c'est Victor Hugo, mon Dieu. Oui. Ah, oui. Vous continuez à jouer Victor Hugo? Non, oui. Je fais la photo demain. Ah! Waouh! Oui, enfin. Donc vous vous rasez après-demain? Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Fais comme Julie, fais-toi raser. Julie, elle fait l'origine du monde demain. Oh, quelle horreur! Le tableau que je peux pas regarder. Mais pourquoi? Ils sont devant Courbet comme ça, ils regardent. Mais pourquoi? Bah, pourquoi, devine? Enfin. Bah, c'est la nature. Mais enfin, non, je l'origine beau, du monde de Courbet, gros plan sur deux. Mais il faut aller plus loin, au fond, il y a des peintures rupestres. Mais non, mais c'est magnifique. C'est curieux que vous soyez choqués. Vous n'aimez pas regarder, vous n'aimez pas vous regarder la foufounette. La mienne éventuellement. On dirait une chanson de Carlos. Arrête, ne me pousse pas. Je pense qu'il faut bien connaître son corps pour avoir du plaisir. Donc tu devrais regarder à l'intérieur de toi. C'est pas l'intérieur. Ah oui, il faut être souple. Hein. Oh, merci, non, mais du conseil, Caroline. Il est temps. Julie, ton mari te pèse bien avec une lampe frontale. Non, je veux avoir du soutien. Est-ce que dans le public, il y en a qui n'aiment pas cette œuvre? Comme moi. Allons-y. Oh bah, il y a deux PD au premier rang. Non mais alors on peut... non mais il rigole, à mon avis elle était pas au courant, la dame qui est à côté de lui, c'est juste ça le problème. Bon, non mais le truc c'est que ça n'est pas forcément très esthétique, on n'aurait pas envie de l'avoir chez soi, mais c'est un beau c'est un beau tableau. Toi, l'avoir chez toi, moi j'aimerais bien l'avoir parce que ça coûte une blinde. Hein. Mais vous monsieur Beaugrand, vous aimez tout ce qui est courbé, je veux dire. Alors je n'aime pas que Gustave, j'aime aussi Julien. Mais j'étais sûr. Mais sérieusement, je trouve que ce tableau est assez troublant et je pense qu'il déculpabilise beaucoup de femmes qui ne s'épilent pas. C'est vrai. Bah oui, parce que aujourd'hui. Voilà une théorie intéressante. Mais oui. Je crois qu'il y a plein de femmes poilues dans le public qui n'osent peut-être pas le dire, mais ça les rassure de voir qu'elles ne sont pas seules. Et c'est explosé au musée d'Orsay. Je ne savais pas. Oui, c'était au musée d'Orsay. Je croyais que c'était au musée Brackmar, André. Non, non. Mais à l'époque, Linda de Souza était très vexée qu'on ne lui peigne pas la tête. Mais vous êtes con. Pour monsieur Lamotte qui habite. Non, ça c'est pas vrai. Si non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je vous jure. Et je n'ai même pas changé l'ordre. Ah non, je ne me serais pas permis de la faire non, autrement. C'est pas où j'ai une foufoune. C'est même pas Madame Touffue de la Motte. C'est drôle que si c'est vrai, autrement c'est pas drôle. Oui. Robert Lamotte qui habite Haute-Goulette. Robert, en plus, là t'as le complet, t'as les Robert et Lamotte. Monsieur Robert Lamotte habite Haute-Goulette en Loire-Atlantique, qui a dit « Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant, s'il vous répond, vous êtes schizophrène. » Pierre Dac. Non. Jean-Yann. Woody Allen. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse. De Caroline Diamant.